الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes très chers frères, donc comme vous le savez tous, le thème de cette journée qui est abordé dans chacune des conférences, donc touche à la connaissance que l'on doit avoir du prophète alayhi salatu wassalam. Cette connaissance qui amène à l'aimer, et l'amour qu'on a pour lui nous amène à vouloir le suivre et à obéir à ses ordres et à l'imiter. Mais comme on vient de le citer, il y a un ordre à suivre, à respecter pour qu'on puisse arriver au dernier de ces échelons. Et comment pouvoir prétendre aimer le prophète alayhi salatu wassalam sans le connaître? Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un devoir pour le musulman, qu'il soit petit ou grand, qu'il soit un homme ou une femme, qu'il soit libre ou soit un esclave, de connaître quel est cet homme qu'Allah azza wa jal lui a envoyé pour le sortir des ténèbres vers la lumière. C'est obligatoire, et sur cela tu dois vivre, et sur cela tu seras interrogé dans ta tombe. Notre noble prophète alayhi salatu wassalam est le dernier des messagers et le sceau des prophètes. Allah azza wa jal a choisi, il a élu de l'humanité les prophètes, et il a élu des prophètes les messagers, et il a élu des messagers les cinq messagers les plus prompts et les plus acharnés et assidus dans leur mission prophétique. Et de ces cinq prophètes là qui sont Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad alayhi salat wa salam, et de ces cinq prophètes, Allah Azza wa Jal a élu les deux Khalil. Khalil qui est le descriptif que l'on donne à celui qu'on aime le plus, pour ne pas rentrer dans les définitions telles que ami intime ou confident, qui sont Ibrahim et Muhammad alayhi salat wa salam. Et Allah Azza wa Jal a élu de ces deux Khalil le prophète alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jal a purifié ce prophète dans toutes choses. Il lui a ouvert la poitrine, c'est-à-dire qu'il l'a épanoui à l'acceptation et à l'accueil de la révélation ainsi que de ses ordres. Il a élevé
son évocation. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salat wa salam, son rang et son honneur est au-dessus de celui des autres. Et que, selon l'explication de certains de tes prédécesseurs, lorsque tu demandes à Allah de prier sur lui, cela signifie que tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de faire les éloges du prophète alayhi salat wa salam dans la plus grande des assemblées et la plus haute qui est celle des anges. Allah azza wa jal a jugé et a choisi pour son prophète l'infaillibilité et il lui a pardonné tous ses péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit, l'a purifié dans toutes choses. Il l'a purifié dans sa raison, en disant dans le Coran, مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Votre compagnon ne s'est pas égaré, ne s'est pas perdu dans la folie, وَمَا غَوَى, et il ne s'est pas égaré, yani perdu dans sa direction. Allah Azza wa Jal l'a purifié dans sa véracité, en disant dans le Coran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, et il ne parle pas sous l'effet de la passion. Allah Azza wa Jal l'a purifié dans sa poitrine, en disant, أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ, n'avons-nous pas ouvert ta poitrine. Allah subhanahu l'a purifié dans son cœur, en disant, مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى, le cœur n'a pas menti dans ce qu'il a vu. Allah Azza wa Jalla l'a purifié dans son évocation, en disant, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, et nous avons évoqué pour toi ta mention. Lorsque on mentionne le prophète alayhi salatu wassalam, on voit à quel point il est élevé au-dessus des autres. Allah Azza wa Jal l'a purifié dans sa purification, en disant, subhanah, wa wada'na anka wizrak. Le wizr, c'est le péché. Wada'na, on t'a débarrassé. Ce qui venait entacher ta pureté, nous te l'avons enlevé. Allah Azza wa Jal l'a purifié dans sa science, en disant, subhanah, allamahu shadidul quwa, lui a enseigné le très fort, yani Jibril alayhi salam. Allah Azza wa Jal l'a purifié dans sa douceur, dans sa mansuétude et son affection, en disant de lui Azza wa Jal, bil mu'minina raoufur rahim, envers les croyants compatissant et miséricordieux. Et Allah Azza wa Jal l'a purifié entièrement en disant, wa innaka la'ala khuluqin azim, et tu es certes doué d'un comportement grandiose, d'une attitude magnifique. Le prophète alayhi salatu wassalam jouit d'un rang particulier auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, ici-bas et dans l'au-delà. Comme on l'a cité tout à l'heure, la parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui disait, inna allaha nadara fi quloubil ibad, Allah azza wa jala a regardé dans le cœur des gens, فَوَجَدَ أَنَّ خَيْرَ قُلُوبِهِمْ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, il a vu que le meilleur de leur cœur était celui de Muhammad alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam jouira d'un rang particulier le jour du jugement, comme il a dit lui-même alayhi salatu wassalam, conformément à ce qu'a rapporté Muslim d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, ana sayyidu waladi adama yawm al-qiyamah wa ana awwalu man yanshaqqu anhu al-ard wa ana awwalu shafi'in wa ana awwalu mushaffa'. Quand il dit alayhi salatu wassalam, je suis le seigneur le plus noble des fils d'Adam le jour du jugement, et je suis le premier sur lequel la tombe s'ouvrira, et je serai le premier à intercéder et le premier à qui on l'accordera.
Yani l'intercession. Le jour du jugement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteindra ce qu'on appelle al-maqam al-mahmoud, la station louée. Qu'est-ce que c'est? Allah Azza wa Jalla fait référence dans le Coran, dans sourate Al-Isra, قال سبحانه عسى ربك أن يبعثك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Certes, ton Seigneur te fera atteindre une station louée. Et les savants du tafsir ont expliqué, ont défini cette expression de deux façons. La première est la plus connue et la plus célèbre, et celle que la majorité a choisie. Ils disent qu'il s'agit du moment où les gens, le jour du jugement, ne patienteront plus sous le soleil à attendre que le jugement commence. Alors ils se réuniront et décideront d'aller voir Adam alayhi salam afin qu'il intercède en leur faveur pour qu'Allah commence le jugement. Il refusera. Ils iront voir Ibrahim, ils iront voir Nuh, lui proposer la même chose, il refusera. Ibrahim, Moussa, Issa, tout le monde refusera. Jusqu'autour du prophète, alayhi salatu salam, qui acceptera et qui se rendra en dessous du trône d'Allah azza wa jal, où il se prosternera et où il louera Allah azza wa jal avec des formules de louange et d'éloge que personne avant lui n'avait donné à Allah azza wa jal. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala lui dira: ya Muhammad irfa' ra'sak wa sal tu'ta wa shfa' tushfa'. Il lui dira: ya Muhammad, lève ta tête, demande, on te donnera, et intercède, demande l'intercession, on te l'accordera. Alors le prophète alayhi salatu wasalam dira: Ummati ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Allah, ma communauté, ma communauté. Et la majorité des savants, ils voient que cet épisode, ce passage, c'est ça, al-maqam al-mahmoud. Et il y a une autre parole, qui est minoritaire, mais qui a été acceptée par de grands savants du tafsir, notamment Ibn Taymiyyah rahimahullah. Comme quoi al-maqam al-mahmoud, et cette parole-là Ibn Mujahid rahimahullah, un grand élève d'Ibn Abbas, et même si Mujahid ne dit pas expressément que c'est Ibn Abbas qui lui a informé de cela, ça ne peut pas en être autre, ça ne peut pas être autre que cela, car c'est une information qui confirme, pardon, qui concerne des éléments du monde de l'invisible, et on ne peut pas les avoir si ce n'est qu'ils viennent du prophète alayhi salatu wassalam, ou des compagnons qui eux aussi l'ont entendu de la part du prophète alayhi salatu wassalam. Ils disent que le maqam al-mahmoud, c'est qu'Allah azza wa jal fera asseoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son trône. Qu'Allah azza wa jal fera asseoir le prophète alayhi salatu wassalam sur son trône. Est-ce que cette parole est, comment dirais-je, Ali, Ahl al-Sunnah wal Jama'a se sont interdits de rejeter cette information? Et sachez même que les premières générations parmi les salafs catégorisaient ou bien classifiaient les gens qui rejetaient cette information parmi les gens d'innovation. Quoi qu'il en soit, tous ces éléments qu'on vient de citer ne font que nous prouver à quel point Muhammad ibn Abdullah alayhi afdalu salati wa azka taslim khayru al-makhlouqin ou khayru al-makhlouqat, c'est la meilleure des créatures. Et nous, inshallah, on va essayer durant le temps qui nous est imparti d'avoir un léger aperçu, car il nous est impossible dans un temps aussi court de faire le tour de tout ce qui existe. Un léger aperçu du khuluq, c'est-à-dire al-surah al-batiniya. Al-khuluq, mes frères, on traduit ça par comportement, ou bien par caractère, ou bien par attitude ou autre, mais ça fait référence à l'image sur laquelle tu es à l'intérieur. Comment tu es à l'intérieur de toi. Comme al-khalq, c'est ton apparence physique extérieure, alors al-khuluq, c'est ton apparence entre guillemets psychologique intérieure. Et sachez
que c'est l'apparence intérieure qui a des répercussions sur l'apparence extérieure. Et que même si on essaye de montrer aux autres qu'on est bien seulement extérieurement, en délaissant le fait d'avoir une apparence intérieure bonne, on pourra en tromper un, on pourra en tromper deux, on pourra en tromper cent, mais tu ne tromperas jamais Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a caché dans les poitrines. Le prophète alayhi salatu wassalam est celui qui a le meilleur des comportements. Et d'ailleurs, un des objectifs de son envoi en tant que messager était de parfaire les bons caractères. Comme a dit sallallahu alayhi wa sallam, innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai certes été envoyé, suscité que pour parfaire les bons comportements. Et Anas radiallahu anhu nous disait: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. Le prophète عليه الصلاة والسلام était la meilleure des personnes dans son comportement. Et Safiya bint Huyay رضي الله عنها, une de ses épouses, disait: ما رأيت أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait un meilleur comportement que le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام. Et Aïcha رضي الله عنها, lorsqu'on lui demandait de nous expliquer, de nous décrire le comportement du prophète عليه الصلاة والسلام, elle a trouvé une expression courte mais qui indique bien la réalité de la chose en disant: كان خلقه القرآن. Son comportement, c'était le Coran. كَانَّهُ قُرْآنٌ يَمْشِي عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ. C'est comme si c'était un Coran qui marchait sur la surface de la terre. Et nous, à travers tous ces témoignages, des personnes les plus proches du prophète, alayhi salatu wassalam, car Anas, comme vous le savez, était son serviteur pendant 10 ans, et Safiya et Aïcha, radiallahu anhuma, étaient ses épouses. Alors comment est-ce que on peut parler du comportement du prophète alayhi salatu wassalam? Déjà, en faisant référence au comportement qu'il avait avec les gens qui étaient le plus proches de lui. Et le prophète disait alayhi salatu wassalam lui-même, en parlant de lui-même, du moins en parlant de cette affaire en général, pour ensuite dire la vérité sur cette chose-là, il disait: khayrukum khayrukum li ahlih wa ana khayrukum li ahli. Il disait: les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs proches, avec leur famille, avec leurs épouses, selon une explication du hadith. Leur famille en général et leurs épouses en particulier. Et je suis le meilleur avec ma famille. Les frères qui rangent leur téléphone, Allah yahfadhkum wa yubarak fikum, coupez le réseau. Coupez le réseau. قال الشاعر أو قال الحكيم حس الذباب يذهب باللباب. إيش معنى هذا؟ qu'un passage de mouche, il te fait perdre ta concentration. C'est vrai ou pas? Là, si un frère se lève, il enlève sa veste, tout le monde regarde les frères enlever sa veste. صح؟ quand vous mettez vos téléphones, Allah yahfadhkum, mettez hors réseau. Il faut tout vous dire. Et donc le prophète عليه الصلاة والسلام, il était le meilleur avec sa famille, le meilleur avec ses épouses. Et ses épouses elles-mêmes en témoignaient. Lorsqu'on a demandé à Aïcha radiallahu anha comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez lui, elle répondait: كان في مهنة أهلي. Il était au service de sa famille. Et il raccommodait lui-même ses vêtements déchirés. Et il recousait lui-même ses sandales. Il n'était pas un fardeau pour sa famille. Il arrivait au prophète, alayhi salatu wassalam, d'interroger ses épouses: est-ce qu'il y a à manger à la maison aujourd'hui? Et à elle de répondre non. Regarde, subhanallah, réfléchis. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait 9 femmes en même temps. Chacune dans un appartement indépendant.
Devant la première, هل عندكم شيء? Vous avez quelque chose à manger? Elle répondait non. La deuxième, هل عندكم شيء? Non. La troisième, non. Jusqu'à la neuvième. Et c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, idan, ou ana al-yawm sa'im idan. Ou comme قال عليه الصلاة والسلام, il a dit, alors, aujourd'hui, je vais jeûner. Est-ce qu'il a, leur a dit, débrouillez-vous, faites-moi à manger, préparez-moi quelque chose, je veux manger, j'ai faim, là. Il leur a dit, idan, aujourd'hui je vais jeûner. Et nous, quand on rentre chez nous, et qu'on trouve l'assiette dans le micro-ondes, prête, avec le plat à l'intérieur, et bien on trouve le moyen de dire à la Zawja, t'aurais pu le réchauffer. Oulala. Ça, t'as l'impression que ta femme ne te fait pas un sandwich, tu vas mourir de faim. Tu n'es pas capable toi-même de le faire, alors que t'as tout. T'ouvres une armoire, un placard, il y a du pain. T'en ouvres un autre, il y a de la mayonnaise. T'en ouvres un autre, il y a du thon. T'en ouvres un autre, il y a du fromage. T'en ouvres un autre, il y a de la tomate. Mais t'as pas de zaouja, ah, je vais mourir de faim. Comment je vais faire? Le prophète, alayhi salatu wassalam, patientait à l'égard de ses épouses dans les manques dont elles pouvaient faire preuve. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne dénigrait pas les gens en fonction de leur âge. Mais il donnait de l'importance et montrait de l'attention à l'égard des enfants. Comme il nous rapporte Anas dans le Bukhari, « Wallafdu li muslim, anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam kana idha marra bis subyan, sallama alayhi. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il passait prendre un groupe d'enfants, il leur passait le salam. Il a même été rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il priait et qu'il entendait les pleurs d'un enfant à la mosquée avec tout le monde, alors il allégeait la prière par miséricorde envers les mères de ses enfants qui pleuraient. Il a même été rapporté qu'on a vu le prophète, alayhi salatu wassalam, et avec à sa main une jeune fille qui le prenait par la main et qui courait avec lui où elle voulait elle, et lui il la suivait. Il laissait une jeune fille lui prendre la main et s'en aller en courant, et lui il lui laissait sa main dans la sienne et il la suivait. Le prophète alayhi salatu wassalam un jour a embrassé le Hassan, son petit-fils. Et il avait à côté de lui un sahabi qui l'avait embrassé son petit-fils. Et il lui a dit, « Ya Rasulallah, inna li ashrata atfal, ma qabbaltu ahadan minhum qat. » Il dit, « 10 enfants, j'en ai jamais embrassé un seul. » Alors le prophète, il a répondu, « alayhi salatu wassalam, man la yurham, la yurham. » Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Prophète alayhi salatu wassalam, Anas radiallahu anhu, il nous rapporte qu'il a été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Et pas une fois, il lui a dit off, l'équivalent de fille aujourd'hui. Et pas une fois, il lui a dit concernant une chose, pourquoi t'as fait comme ça? Ou bien, pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ma khayyara bayna amrayni illa wa akhtara aysarahuma ma lam yakun ithma. Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il avait le choix entre deux choses, il choisissait toujours la plus facile tant qu'elle ne comportait pas un péché. فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. S'il y avait un péché dans cette chose-là, il était la personne qui était le plus loin. ومن تقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط.
إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم. Et le prophète عليه الصلاة والسلام ne s'est jamais vengé pour lui-même. Jamais. Il ne s'est vengé pour lui-même. Sauf lorsqu'une sacralité d'Allah Azza wa Jal était bafouée, alors il se vengeait. Il se vengeait lorsque les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala n'étaient pas respectés, lorsque ses symboles sacrés étaient bafoués. Là, il se vengeait pour les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas pour sa personne, pas pour lui-même. Le prophète alayhi salatu wa salam était un exemple dans toutes choses. C'est d'ailleurs pour ça que Allah Azza wa Jal nous a ordonné de le prendre comme modèle et comme exemple. Qala Azza wa Jal, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Il y a certes dans le message d'Allah عليه الصلاة والسلام pour vous un excellent modèle pour celui qui espère en Allah, لمن كان يرجو الله, et le jour dernier, et qui évoque Allah Ta'ala beaucoup. Il y a des épisodes de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et Allah seul sait combien ils sont nombreux, qui nous montrent à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme vraiment particulier. Ibn Ishaq nous rapporte comme quoi, il y a un homme parmi les polythéistes de la Mecque qui se nommait Umayr ibn Wahb. Umayr ibn Wahb. Cet homme-là avait un fils qui s'est fait emprisonner par les musulmans après la bataille de Badr. Et donc ce fameux Umayr était très touché et attristé par la perte de son fils, une perte temporaire vu qu'il n'avait pas été tué. Alors un jour que Umayr était à la Mecque, il a été rejoint par un autre païen, un autre polythéiste qui se fait appeler Safwan ibn Umayya, et tous les deux n'étaient pas musulmans bien sûr. Alors Umayr ibn Wahb dit à Safwan, Wallah, si ce n'était des dettes que j'ai contractées, si ce n'était mes enfants que je dois, dont je dois m'occuper, alors j'aurais pris ma monture et j'aurais été voir le Muhammad pour le tuer. Alors Safwan, il lui dit quoi? Il lui dit, tes dettes, elles sont pour moi. Tes enfants, c'est les miens. Vas-y. Regarde. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. Regarde, les mécréants, ils dépensent leur argent pour s'opposer au sentier d'Allah Azza wa Jal. Il lui dit, tes dettes, c'est les miennes. Tes enfants, c'est comme les miens. Tu vas mourir, t'inquiète pas, je m'en occuperai. Prends ta monture et vas-y. Va tuer Mohammed. Et nous, quand on dit aux musulmans, Fulan min al-muslimin, il est endetté. Fulan, un tel parmi les musulmans, il se noie dans les dettes jusqu'à ce qu'il ait des idées de suicide qui lui traversent l'esprit. Et ils disent quoi, les frères? Ils disent, Allah y'aouna. Qu'Allah il aide. Quand on dit Fulan il a du mal à nourrir ses enfants, le musulman il sort son porte-monnaie comme ça, il regarde les pièces qu'il a, il regarde les billets qu'il a, et il sort le plus petit comme d'habitude. Sahoulala. Même on voit des fois dans les mosquées des gens qui passent avec des sacs pour ramasser l'argent des gens, et t'as des gens qui ont, moi je trouve ça inadmissible, des gens qui font leur monnaie. Alors il sort un billet de 10 euros, il regarde dans le sac de la personne qui passe dans les rangs,
Alors il met le billet 10 euros, il sort 5 euros, il le met dans sa poche. Ajib hada, wallah. Ajib hada. C'est impressionnant d'avoir perdu ne serait-ce qu'un peu de pudeur. Alam yaqul an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi alladhina yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma nafaqat aw ma nafaqat yaminuhu aw ma tunfiqu yaminuhu. Pourquoi je n'ai pas dit alayhi salatu wa salam dans les 7 personnes qui seront sous l'ombre d'Allah azza wa jalla le jour du jugement qu'il y a parmi eux un homme qui donne une aumône de façon si discrète que sa main gauche ignore ce que sa main droite a donné, a dépensé. Les gens maintenant ils choisissent. Vous avez vu le mal qu'on a à ramasser de l'argent, franchement. Vous avez vu le mal qu'on a à faire des choses, construire des mosquées, ouvrir des écoles. Vous avez vu le mal qu'on a? Ah, nous on se cache derrière des fausses excuses d'obstacles liés au gouvernement ou autre. Certes, c'est vrai, des fois on a des obstacles, on en rencontre beaucoup, mais on n'a rien sans rien de toute façon. Et celui qui est malin, ces obstacles-là, il peut les contourner. Lakin, sans argent, il peut rien faire. Lakin, sans argent, on peut rien faire. Et quand on voit le nombre de personnes qu'on est, le nombre de personnes qui remplissent les mosquées, le nombre de personnes qui remplissent les écoles, et comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir de l'argent? Du kuffar, les mécréants, eux, pour contrecarrer l'avancée de l'islam et des musulmans, pour détruire et exterminer les personnes qui vont être une cause pour que l'islam avance, ils donnent leur argent. Ils le donnent sans compter. Safwan ibn Umayya, il dit, Ya Umayr, t'as plus de dettes, c'est les miennes. Je vais les rembourser à ta place. Tes enfants, si tu meurs, ce seront les miens. Je les nourrirai et je m'en occuperai comme si c'était les miens. Vas-y. Alors Umayr, il a dit d'accord. Mais ne parle pas de cela, ne parle de cela à qui que ce soit. N'en parle à personne, c'est entre toi et moi. Bon, il a dit d'accord. Et les Arabes, avant qu'ils soient, même s'ils étaient mécréants, étaient des gens de parole. Des personnes qui tenaient leurs engagements. Alors, Umayr ibn Wahb s'est levé, a été chercher son épée, et il l'a aiguisé. Il l'a aiguisé au maximum. Ensuite, il l'a fait tremper dans du poison. Il l'a fait tremper dans du poison. Comme ça, dans le cas où, en frappant le prophète, il ne le tue pas avec le coup d'épée, et ben, il le tuera avec le poison. Et il est parti vers Al-Madinah Al-Nabawiyyah, ala sahibiha afdalu salatu wassalam. Lorsqu'il a accroché sa bête à la porte de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, Omar radiallahu anhu, il l'a regardé, il l'a vu. Omar, alladhi qala fihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam law kana nabiyan ba'di la kana Omar. Celui dont le prophète il a dit alayhi salatu wassalam, s'il y avait un prophète après moi, ça aurait été Omar. Omar, il l'a vu, il a dit, hadha aduwullah Umayr ibn Wahb. Celui-là, là, c'est l'ennemi d'Allah. Umayr ibn Wahb. Wallahi, ma ja'a illa li sharrin wa su. Wallahi, il n'est venu que pour faire un mal. Ou un problème. Alors, Umar, il est parti voir Umayr. Et il l'a attrapé par ses vêtements. Et il a commencé à l'étrangler. Et il a tiré vers le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, Udnu ya Umayr, rapproche-toi au Umayr. Alors Umayr se rapproche du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, il lui dit, alayhi salatu wassalam, ma alladhi ja'a bik, qu'est-ce qui t'amène? Alors Umayr lui dit, Ibni Asirun Indakum, j'ai tous les tours sinon il a fait fidaï.
Il lui dit, mon fils est un captif chez vous. Je suis venu pour que vous fassiez preuve de bonté à mon égard en me proposant une rançon pour que je puisse le libérer. Alors le prophète lui répond, alayhi salatu wassalam, dis-moi la vérité, ya Umayr. Qu'est-ce qui t'amène? Alors Umayr lui répond, Wallahi ma ji'tu illa li hada. Wallahi, je ne suis venu que pour cela. Alors le prophète, il lui dit, alayhi salatu wassalam, dans ces cas-là, pourquoi as-tu une épée cachée derrière ton dos? Umayr, il lui répond, قَبَّحَهَا اللَّهُ مِنْ سُيُوفٍ وَهَلْ أَغْنَتْ عَنَّا شَيْئًا يَوْمَ بَدْرٍ. Il dit qu'Allah nous enlève ces épées. Est-ce qu'elles nous ont été utiles le jour de la bataille de Badr? Alors le prophète lui répond, عليه الصلاة والسلام, يا عمير, ما الذي جاء بك? Qu'est-ce qui t'amène? Alors Umayr répète encore une fois, والله ما جئت إلا لهذا. Dit par Allah, je ne suis venu que pour ça. Alors le prophète lui dit, alayhi salatu wassalam, il dit non, écoute-moi. Tu es venu, tu t'es assis avec Safwan ibn Umayya sur la place de la Kaaba. Et tu lui as dit que si ce n'était des dettes que tu as contractées et des enfants pour qui tu as peur si jamais tu mourrais, tu serais venu jusqu'à moi pour me tuer. Alors Safwan, il t'a répondu, tes dettes sont les miennes et tes enfants sont les miens, vas-y. Alors tu lui as dit, d'accord, mais ne le dis à personne. Il a dit d'accord. Alors tu t'es levé et tu as aiguisé ton épée et tu l'as trempé dans le poison et tu es venu pour me tuer. Alors là, Umayr, il tombe de haut. Il le regarde comme ça. Il lui dit, Ashhadu annaka Rasulullah. J'atteste que tu es le messager d'Allah. Alors, il a dit, par Allah, il n'y a personne en dehors de Safwan ibn Umayya et moi qui connaissais ce complot. Et tu n'as pu le savoir, toi, que parce qu'Allah Ta'ala t'en a informé. Alors, Umayr, lorsqu'il a attesté de la véracité de la prophétie du prophète, alayhi salatu wassalam, s'est mis à remercier Allah Azza wa Jal, s'est mis à remercier Allah Ta'ala de lui avoir fait suivre ce chemin jusqu'à ce qu'il voit la vérité avec ses yeux et qu'il l'entende avec ses oreilles. Et à ce moment-là, qu'est-ce que le prophète il a dit, alayhi salatu wassalam? Qu'est-ce que celui qui a le meilleur comportement, la meilleure façon d'agir avec les autres, lui a répondu? Alors que Umayr était venu pour le tuer, le prophète il a appelé les compagnons radiallahu anhum, il leur a dit, Faqihu akhakum fi dini wa aqri'uhu al-Qur'an wa atliqu lahu walada. Projet du compagnon radiallahu anhum, instruisez votre frère dans sa religion. Dernier, apprenez-lui la prière et ce qu'il a l'obligation d'accomplir. Wa aqri'uhu al-Qur'an. Et faites-lui lire le Qur'an. Apprenez-lui à lire le Qur'an. Wa atliqu lahu walada. Et libérez son fils. Est-ce que son fils, il était musulman? Là. Et libérez-lui son fils. Est-ce que tu as déjà vu ça chez quelqu'un d'autre que le prophète alayhi salatu wassalam? Quelqu'un est là pour le tuer et lui il est au courant et il lui dit, approche-toi de moi ya Umayr. Et il lui parle avec la quiétude et la sérénité et il lui parle apaisé et tranquille alors qu'il sait qu'en face de lui il y a quelqu'un qui a une épée prête à être dégainée, aiguisée et dans, qui a été trempé dans du poison, mais il sait qu'Allah Azza wa Jal le protège et il place en lui sa confiance.
Tabarani nous rapporte, d'après Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, qu'un rabbin vivant à Médine, se faisant appeler Zayd ibn Sa'na, faisait partie des plus grands rabbins de la communauté juive médinoise. Il a dit, il n'y a pas un signe de la prophétie que je n'ai pas trouvé dans le, que je connaissais selon nos textes anciens, que je n'ai trouvé chez le prophète alayhi salatu wassalam. Sauf deux. Premièrement, que sa douceur devance sa colère. Sa gentillesse, sa douceur, sa mansuétude devance sa colère. Et deuxièmement, plus on est méchant et violent avec lui, et plus lui il est doux et compatissant avec nous. Alors Zayd Hada, il a imaginé un plan pour voir si ces deux signes étaient présents chez le prophète alayhi salatu wassalam. Il est sorti un jour et il est passé près des appartements du prophète alayhi salatu wassalam, où il a trouvé certains compagnons du prophète alayhi salatu wassalam avec eux le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voici qu'un homme parmi les bédouins arrive dans un état assez difficile physiquement et au niveau de ses vêtements. Alors il dit au prophète alayhi salatu wassalam, ya Rasulallah, إن قومي في قرية بني فلان دخلوا في الإسلام ولكنهم دخلوا في الإسلام طمعا فلقد أخبرتهم أنهم إن دخلوا في الإسلام أتاهم رزقهم رغدا وقد نزلت بهم اليوم شدة وقحط فأخشى أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا في الإسلام طمعا فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تغيثهم به فَعَلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Alors il lui dit, ya Rasulallah, je viens de telle tribu et ma tribu est rentrée dans l'islam avec l'espoir de voir leur vie changer matériellement parlant. Et lui leur a dit, si vous rentrez dans l'islam, vous aurez une subsistance large, une large subsistance. Alors eux, ils sont rentrés dans l'islam dans l'espoir à ce que leur situation change. Et lorsqu'ils sont rentrés dans l'islam, plus tard, ils ont été touchés par une famine, par une sécheresse, par une difficulté. Alors cet homme-là qui vient voir le prophète, alayhi salam, il dit, ya Rasulallah, je crains qu'ils ne sortent de l'islam dans l'espoir de trouver autre chose, comme ils sont rentrés dans l'islam dans l'espoir de trouver autre chose. Alors si tu veux bien nous envoyer quelque chose afin qu'on puisse aller pour, afin de nous sauver. Alors le prophète alayhi salatu wassalam se tourne vers Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et lui dit, hal indana shay'un min al-mal, est-ce qu'on a de l'argent? فقال علي رضي الله عنه لا والله يا رسول الله لقد نفد المال كله. Et Ali radiallahu anhu dit, non par Allah, au messager d'Allah, tout ce qu'on avait, il n'y a plus rien. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, on a vu dans son visage les traces de l'inquiétude. Et Zayd Hada, le rabbin, il saisit l'occasion. Il va voir le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit, ya Muhammad, هل تبيعني تمرا معلوما في حائط بني فلان أي في بستان بني فلان إلى أجل معلوم؟ Zayd lui dit, ya Rasulallah, acceptes-tu de me vendre les dattes du jardin d'un tel à un moment précis, c'est-à-dire moi je te paye maintenant et toi tu me donnes les dattes après. Alors le prophète il lui répond alayhi salatu wassalam, نعم لكن لا تسمي حائط بني فلان أبيعك تمرا معلوما إلى أجل معلوم.
prophète alayhi salatu wasalam, il accepte de lui vendre ses dates en lui disant de ne pas nommer la propriété, de ne pas nommer le propriétaire de ce jardin où se trouvent ses dates. Alors, le rabbin, il paye le prophète alayhi salatu wasalam en avance, avant de récupérer cette marchandise, entre guillemets. Le prophète alayhi salatu wasalam, il prend l'argent et il le donne à ce bédouin et il lui dit: اذهب الى قومك فارثهم بهذا المال. Va vers ton peuple et viens à leur secours avec cet argent. Là, tu vois que le prophète alayhi salatu wasalam, il s'endette pour ses frères. Il s'endette pour venir au secours de leurs frères, surtout si il y a en jeu leur islam. Il y a en jeu le fait qu'ils restent dans l'islam. Et c'est cette façon d'agir qui était présente aussi chez les plus prédécesseurs. Comme deux qui étaient tous les deux endettés. Ils avaient tous les deux leurs dettes. Et ils savaient, chacun savait que l'autre était endetté aussi. Alors lorsqu'ils ont eu assez d'argent, ils ont été remboursés chacun la dette de l'autre sans leur dire. Ils ont été chacun remboursés la dette de l'autre sans leur dire. Ibrahim est endetté, moi je suis endetté. J'ai de l'argent, il a de l'argent. Et ben moi je vais rembourser la dette de Ibrahim sans lui dire. Et lui va rembourser la mienne sans me le dire. Donc on préfère les autres sur nous-mêmes. Et ça c'est le plus haut degré dans As-Sadaqa. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Et ils préfèrent sur eux-mêmes, même s'ils sont dans une grande famine, dans un cas de nécessité. Dans les sadaqat surérogatoires, il y a des degrés. Le minimum, c'est de donner ce dont on ne se sert pas. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ. Et ils te demandent qu'est-ce qu'ils doivent dépenser, dis ce qui reste. Ensuite, c'est le fait de donner ce qu'on aime. قَالَ تَعَالَ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'atteindrez la piété que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. Et enfin, الْإِيثَار, c'est préférer les autres sur soi-même. Préférer les autres sur soi-même. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pour nous le meilleur exemple dans toutes choses, alors ici, une fois de plus, il nous montre qu'il s'endette pour les musulmans, pour qu'ils soient à l'abri d'un problème lié à la pauvreté, et surtout pour qu'ils restent dans l'islam. Et surtout pour qu'ils restent dans l'islam. Alors, Zayd ibn Sa'na et le prophète alayhi salatu wasalam se mettent d'accord sur le délai dans lequel il récupérera sa marchandise. Le temps y passe. Et un jour, Zayd, il voit le prophète, alayhi salatu wasalam, et avec lui, Abu Bakr, Omar, Uthman, et d'autres, parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam, qui venaient de prier sur un défunt parmi les musulmans. Le prophète, alayhi salatu wasalam, est allé s'asseoir contre un mur pour profiter de l'ombre. Alors Zayd ibn Sa'na se rapproche de lui, avec un visage sombre, un visage crispé par la colère. Et il attrape le prophète alayhi salatu wasalam par ses vêtements, par son col, et il le lève de l'endroit où il était assis. Mais il lève violemment. Le prophète était assis alayhi salatu wasalam, Zayd vient debout, il l'attrape par le col de son qamis et par ses vêtements, et il le lève violemment vers lui. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Zayd ibn Sa'na? Il lui dit: Addima alayka min haqqin wa min daynin ya Muhammad. Fa wallahi ma alimtukum ya bani abd al-muttalib illa qawmun mutillun fi sadadil huquq
Non seulement il vient à lui avec un visage crispé par la colère, en plus il l'attrape par ses vêtements violemment. Rajoute à cela, il le fait se lever de l'endroit où il est assis. Et il lui dit quoi? Il lui dit: donne ce que tu dois au Muhammad comme droit et comme dette. Par Allah, vous, les fils de Abd al-Muttalib, cette tribu, vous n'êtes connus que comme étant un peuple, un groupe de personnes qui mettaient du temps à rembourser vos dettes et à donner vos droits. Regarde la parole qu'il lui dit. Omar, radiallahu anhu arda, il se lève, wa aynuhu tadour, ses yeux ils tournent, tellement parce qu'il vient de voir. Et il lui crie: ya adou Allah, ataqulu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma asma' wa taf'alu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma ara, والذي نفسي بيده لولا أني أخشى فوته وغضبه لضربت رأسك بسيفي هذا. يجي ennemi d'Allah, est-ce que tu dis au prophète ce que je viens d'entendre? Et est-ce que tu fais au prophète ce que je viens de voir? Il dit: wallah, si ce n'était ma crainte de la colère du prophète عليه الصلاة والسلام, j'aurais frappé ton cou avec mon épée, celle-ci. Alors Zayd ibn Sa'ana, il regarde le prophète alayhi salatu wassalam et il remarque que le prophète regarde vers lui avec quiétude et paix. Et il se tourne vers Omar radiallahu anhu et lui dit: ya Omar, لقد كنت أنا وهو في حاجة إلى غير ذلك. يا عمر، لقد كان من الواجب عليك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. Le prophète عليه الصلاة والسلام se tourne vers Omar, se tourne pas vers Zayd. يا عمر، والله moi et lui n'avions pas besoin de cela, que tu interviennes de cette façon et que tu dises de telles paroles. Il a dit: ya Omar, tu te devais de m'ordonner de rendre de la meilleure façon et de lui ordonner de demander de la meilleure façon. Alors Zayd, le rabbin, il voit ça, il entend ça, il sait plus quoi dire. Bouhit, il n'a pas un mot qui lui vient aux lèvres. Il est même effrayé devant un tel comportement. Alors, qu'est-ce que le prophète dit à Omar radiallahu anhu? Il dit: ya Omar, خذه واعطه حقه وزده 20 صاعا من تمر جزاء ما روعته. Il dit à Omar radiallahu anhu: prends-le avec toi et donne-lui son dû. Et rajoute-lui une quantité de dattes en rétribution de la peur que tu lui as infligée. Et rajoute-lui une certaine quantité de dattes parce que tu lui as fait peur en l'agressant verbalement. Alors Omar, il s'exécute et il prend avec lui Zayd. Et il donne son dû et comme convenu, il rajoute la quantité qui a été prédéterminée par le prophète alayhi salatu wassalam. Mais Zayd, lui, il n'a pas entendu le prophète dire à Omar: rajoute-lui ça. Alors quand il récupère les dates, il voit qu'il y en a en plus. Il dit: ya Omar, ma hadhihi ziyada? Ya Omar, pourquoi il y en a en plus? Alors Omar lui répond: Amarani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an azidaka jaza'an ou an azidaka jaza'an ma rawa'atuk. Lui répond le prophète alayhi salatu wassalam, m'a ordonné à ce que je te rajoute en rétribution de la peur que je t'ai infligée. Alors le rabbin Zayd se tourne vers Omar et lui dit: ya Omar, ne me reconnais-tu pas?
Omar il dit non. Alors il lui dit, je suis Zayd ibn Sa'na. Omar il lui dit, le rabbin des juifs. Omar, Zayd il dit na'am. Alors Omar lui dit, mais alors pourquoi est-ce que tu as fait tout cela? Pourquoi tu as dit au prophète ce que tu as dit? Et pourquoi tu as fait ce que tu as fait? Alors Zayd il répond, radiallahu, Zayd il répond, je n'ai fait cela que pour tester chez Mohammed s'il possédait les deux seuls signes de la prophétie que je n'avais pas vu encore en lui. Omar dit, c'est quoi ces signes? Alors Zayd y répond que sa douceur devance sa colère et que plus on est dur envers lui et plus il est doux envers toi. Alors j'ai fait ce que j'ai fait pour voir cela, et certes je les ai fait, et je reconnais aujourd'hui qu'il est le messager d'Allah. Et je te prends un témoignage, Omar, que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. As-tu vu, ya akhi, comment par le simple biais de ta façon d'agir et de te comporter envers une personne, quelle qu'elle soit, tu peux être la cause de sa conversion à l'islam? Combien de fois, à combien de reprises dans de nombreux textes on a vu que le prophète alayhi salatu wassalam, par une action, par une parole, par une décision, faisait que, par la grâce d'Allah azza wa jal, les gens rentrent dans l'islam. Est-ce que toi tu connais quelqu'un qui par son comportement a donné envie aux gens de rentrer dans l'islam? Est-ce que toi tu connais quelqu'un que par une parole qu'il a prononcée a donné envie aux gens de rentrer dans l'islam? Moi personnellement, j'en connais pas. Est-ce que parce qu'il y en a mais on sait pas ils sont où? Ou bien est-ce que parce qu'il y en a pas? Par optimisme, je répondrai par la première. Par réalisme, je répondrai par la seconde. Ça, oulala. Est-ce qu'on a des exemples dans le comportement, nous, qui prétendons suivre le prophète, alayhi salatu wassalam? Est-ce que, si on interroge nos épouses, si on interroge nos enfants, si on interroge nos parents, si on interroge les gens qui ont un droit sur nous, ils nous répondront, oui, il suit le prophète alayhi salatu wassalam dans ces choses-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même manifesté de la douceur et de la tendresse à l'égard de sa mère alors qu'elle était morte. Lorsqu'ils sont revenus de l'expédition militaire de Tabouk, ils sont passés près de l'endroit où sa mère était enterrée. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est isolé du groupe. Et il est revenu un peu plus tard en pleurant. Les compagnons radiallahu anhum ne savent pas pourquoi le prophète pleure, alayhi salatu wassalam. Alors il interroge, ya Rasulallah, ma yubkik? Ya Rasulallah, qu'est-ce qui te fait pleurer? Alors il répond, ista'zantu rabbi fi an azura ummi fa adinali. J'ai demandé la permission à mon Seigneur de pouvoir visiter ma mère, son tombeau, et il me l'a permis. وَاسْتَأْذَنْتُهُ لِأَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْلِ. Et j'ai demandé sa permission à ce que je puisse implorer le pardon pour elle. Alors il ne me l'a pas permis. Et je me suis souvenu de sa douceur, de la douceur qu'elle avait à mon égard, jusqu'à ce que j'en ai pleuré. Et en disant ça, il continue de pleurer, alayhi salatu wassalam. Et en pleurant, il amène les compagnons radiallahu anhum à pleurer aussi. Comment est-ce que tu peux voir ton bien-aimé triste qui se rappelle la douceur de sa mère qu'il a perdue alors qu'il n'avait que quelques années? Il avait 6 ans chez la plupart des historiens. Et à savoir que dans ces 6 années-là, il est resté 3 ou 4 ans chez une nourrice.
Et pourtant, malgré ça, il se souvient de la douceur que sa mère avait envers lui. Et il pense à aller la visiter, là où elle est enterrée. Et il pleure, alayhi salatu wassalam. Les sahaba, radiyallahu anhum, ils pleurent. En voyant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pleurer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas eu le privilège de le voir. Et ceci, mes frères, bi qadarin maqdour, ce n'est que par la décision d'Allah Azza wa Jal. N'oubliez pas que les cœurs qui étaient autour du meilleur des cœurs étaient les meilleurs des cœurs. Et vous ne savez pas, si vous aviez vécu à cette époque, de quel groupe de cœurs vous auriez fait partie. Il y a un homme qui a vu Al-Miqdad ibn al-Aswad, radiyallahu anhu, après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit, quel merveilleux homme que celui-ci, ses yeux ont pu voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Ah, si seulement nous aussi, on aurait pu le voir et alors le suivre. Al-Miqdad, radiyallahu anhu, entend ça, il pleure, il crie, pardon, il s'énerve. Il dit, quelle mauvaise parole que tu viens de dire. Et les gens autour de lui, ils s'étonnent, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais ma qala illa khayra. Il n'a dit que du bien. Il a dit, wallahi, remercie Allah d'être sorti du ventre de vos mères et de ne connaître qu'Allah Azza wa Jal. Il a dit, wallahi, j'ai vu des gens qui ont suivi le prophète, alayhi salatu wassalam, et qui se sont retrouvés sur le même champ de bataille avec leur père et contre leur frère. J'ai vu des gens, wallah, qui appelaient leur père et leur frère et leur mère et leurs femmes et leurs enfants à l'islam, et ils n'ont fait que refuser cet appel-là, jusqu'à ce qu'on les ait enterrés avec les mécréants. Tu ne sais pas. Wallahi, tu ne sais pas, ya akhi, comment est-ce que tu aurais réagi. Mais toi, tu aimes le prophète, alayhi salatu wassalam. Et toi, tu attends impatiemment le jour où, bi'idhnillah, tu mourras sur l'islam et sur la foi pour que tu sois ressuscité avec lui dans son groupe et que tu rentres au paradis avec lui, alayhi salatu wassalam. On ne l'a pas vu. Allah Azza wa Jal a décidé autrement. Mais sachez, mes frères, que les sahaba radiyallahu anhum se divisaient en deux catégories dans le fait de, entre guillemets, regarder le prophète, alayhi salatu wassalam. Comme on l'a vu tout à l'heure avec la parole que le frère Bouzaïd nous a rapporté, comme quoi Amr ibn al-As radiyallahu anhu était incapable de pouvoir décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam physiquement, tellement il n'osait pas le regarder longtemps. Il a dit, chaque fois que je regardais, je levais la tête vers lui, j'avais pas le temps de remplir mes yeux de son image, tellement je l'honorais et le respectais, alors je baissais la tête. Mais d'autres compagnons, eux, nous l'ont décrit d'une description vraiment très très précise. Et après qu'on ait vu, comme je vous le disais tout à l'heure, un léger aperçu du comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, voyons ensemble à quoi est-ce qu'il ressemblait. Mais avant de vous dire au détail, c'est très physique. Regardez ce que certains des compagnons disaient, radiyallahu anhum. Il y a un sahabiya qui se nomme Ummu Ma'bad al-Khuza'iyya, radiyallahu anha. Et elle décrit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à son époux. Elle lui dit, كان ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق. Il était clair, lumineux. Il se dégageait de lui une lumière. Et son visage resplendissait. Et il avait un comportement magnifique. Elle disait, إذا صمت
علاه الوقار. Lorsqu'il observait le silence, le respect se dégageait de lui. وإن تكلم علاه البهاء. Et lorsqu'il parlait, c'était la splendeur qui s'émanait de lui. أجمل الناس وأبهاهم من بعيد. C'était le plus beau des gens et le plus splendide de loin. وأحسنه وأحلاه من قريب. C'était le meilleur et le plus doux lorsqu'on était de près. حلو المنطق. Lorsqu'il parlait, c'était sucré. C'était sucré. Il ne parlait pas pour ne rien dire. Et lorsqu'il parlait, c'est comme si c'était des perles qui étaient les unes derrière les autres, accrochées au même fil, qui tombaient. Tu vois, quand tu prends un collier avec des perles, et que tu coupes le collier en lui-même, et tu tiens d'un côté, et que les perles elles tombent chacune de leur tour. Eh bien, lorsqu'il parlait, c'était comparable à cela. Et il y a un homme qui se prénomme Muhammad ibn Ammar ibn Yasir, qui était le fils de et le petit-fils de deux compagnons, radiyallahu anhum. Il demande à sa mère, qui s'appelle Al-Rubayya' bint Mu'awwid, radiyallahu anha, « Ya ummah, sifi li Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. » فقالت يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. Elle lui a dit, oh mon fils. Lui l'a dit à sa mère, oh ma mère, décris-moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a répondu, oh mon fils, si tu l'avais vu, c'est comme si tu voyais le soleil qui se lève. Et le modèle Bara ibn Azib radiallahu anhu, أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصيف مثل سيف. Est-ce que le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam était-il une épée? Il a répondu, la, bel mithlul qamar. Il a dit non, au contraire, c'était comme la lune. Et Jabir ibn Samurah radiallahu anhu, tel que Muslim nous le rapporte dans le Sahih, il a dit, kharajtu fi laylati idhiyan, ay, idha kana al qamaru fihi muktamila, faraaytu al nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهو عندي أجمل من القمر. جابر رضي الله عنه il nous dit, je suis sorti une nuit de pleine lune et j'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم qui portait une parure de couleur rouge. Je me suis mis à regarder la lune et à regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par Allah, il était pour moi plus beau que la lune. Quant à son aspect physique, mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana rib'atan min al-qawm, la bit-tawil al-ba'in, wa la bil-qasir al-mumtahin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans sa taille comme la plupart des gens. Il n'était pas trop grand, à un point où il se distingue des autres, ni trop petit, à un point où on ne prête pas attention à lui. كَانَ سِبْطَ الشَّعْرِ أَيْ أَنَّ شَعْرَهُ لَيْسَ مُسْتَرْسِلًا وَلَا مُلْتَوِيًا.
Il avait les cheveux ni lisses, ni bouclés. Il avait dans le front, alayhi salatu wassalam, une veine qui se remplissait de sang lorsqu'il se mettait en colère. Et comme on l'a dit, mes frères, il ne se mettait pas en colère pour lui-même, mais il se mettait en colère lorsque les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala n'étaient pas respectés. Lorsqu'il se mettait en colère, son visage devenait tout rouge. C'est comme si il avait la couleur des grains de grenadine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana azajja fi ghayri qaran. C'est-à-dire qu'il avait les sourcils fins. Fi ghayri qaran, yani, il ne se rejoignait pas. Il y avait un espace entre ses sourcils. Ashamma al-anf, dali' al-fam, muhadhib al-asnan. Il avait le nez crochu. Il avait une large bouche et il avait les dents droites. Kassul lihya, il avait une barbe imposante et large. Ashibu fi sha'rihi nudra, il avait très peu de cheveux blancs. C'est-à-dire qu'ils étaient peu et ils étaient dispersés. Il en avait en général au niveau de ses tempes, à droite et à gauche. Et il en avait beaucoup dans ce qu'on appelle l'anfaqa. Ce sont les poils qui sont en dessous de la lèvre inférieure. Anas radiallahu anhu, il dit que les poils blancs qu'il avait sur la tête et les cheveux et la barbe ne dépassaient pas le nombre de 20. Il avait une couleur, la couleur de sa peau était blanche mais tendait vers le rouge. Et il avait les mains, la paume des mains ainsi que la plante des pieds plus blanche que le reste de la peau de son corps. Il avait les cuisses blanches aussi. Comme Anas radiallahu anhu, kanni ara bayada fakhidhayi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawma Khaybar. C'est comme si je me voyais aujourd'hui en vous parlant, c'est Anas qui parle radiallahu anhu, et je vois la blancheur des cuisses du prophète alayhi salatu wassalam. كأن عنقه أو كأن عنقه عفوا إبريق فضة. C'est comme si son cou était un broc en argent. بعيد ما بين الملكبين. Il y avait entre ses deux épaules un large espace. C'était lointain entre ses deux épaules. ما بين كتفيه من الخلف إلى جهة الشمال. Il y avait entre ses épaules, derrière lui, au niveau de son dos, un peu vers le haut, vers le nord, شعيرات سود اجتمعنا بعضهن إلى بعض. Il avait quelques poils de couleur noire qui se sont regroupés les uns sur les autres. ناتئات عن الجسد قليلا, qui sortaient légèrement de la surface de la peau. كأنهن بيضة حمامة. C'est comme ça ressemblait à un œuf de colombe. Et c'est ce qu'on appelle le sceau de la prophétie. Une sorte de protubérance de couleur rosâtre recouverte par quelques poils qui se trouvaient dans le haut de son dos entre ses deux épaules qu'on nommait le sceau de la prophétie. ومن الوهدة وهي الثغرة التي في النحر إلى أسفل سرته خيط ممتد. Et il avait الوهدة, vous savez c'est le trou qu'on a ici en bas de la gorge. Il avait de ici jusqu'à son nombril un trait droit de poil. Il n'avait que ça sur le torse. Il n'avait ni sur le torse ni sur le ventre de poil en dehors de ce trait qu'il avait au milieu de la poitrine qui partait de ce léger orifice jusqu'au nombril. Il disait كان سواء البطن والصدر.
il était au même niveau devant lui, au niveau de sa poitrine, et derrière lui au niveau de son dos. C'est-à-dire qu'il n'était pas, il n'avait pas, comment dirais-je, le ventre qui sortait ou bien la poitrine qui sortait, mais le niveau de sa poitrine, de son torse, était équivalent à celui qu'il avait dans le dos. Bakhmul karadis, ay idamul mafasil. Les os des articulations étaient robustes. Idha masha yatakaffa takaffa ka'annama yanhadiru min makanin 'al. Lorsqu'il marchait, il accélérait le pas comme si il descendait, yarhamukallah, comme s'il descendait une pente, comme s'il était dans un endroit élevé, et il descendait cet endroit élevé comme s'il y avait une pente. Vous avez vu comment vous êtes attiré par, je sais pas, la gravité ou la je ne sais quoi, et il marchait vite, c'est-à-dire qu'il ne marchait pas sur ses talons, il ne marchait que sur la pointe des pieds. Hatta Anas radiallahu anhu, d'autres compagnons radiallahu anhu, me disaient que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait, et qu'on marchait derrière lui, on avait du mal à le suivre. On devait faire fournir des efforts. إذا أشار أشار بيده كلها. S'il voulait montrer de la main, il montrait avec la main entièrement, pas seulement avec le doigt. وإذا ناداه أحد التفت ببدنه الشريف كله ولا يلتفت برقبته فقط. Et si quelqu'un l'appelle derrière lui, il se retournait entièrement, il ne retournait pas seulement sa tête. وَإِذَا تَعَجَّبَ مِنْ شَيْءٍ قَلَّبَ كَفَّيْهِ وَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ. Et lorsqu'il était étonné d'une chose, il retournait les mains comme ça et disait Subhanallah. Et dans le Bukhari, et dans l'Adab al-Mufrad de Bukhari, d'après une chaîne de transmission authentique, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان إذا تعجب من شيء عض شفتيه. Il disait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'étonnait d'une chose, il se mordait les lèvres. من رآه من بعيد هابه ومن رآه من قريب أحبه. Celui qui le voit de loin le respecte, et celui qui le voit de près l'aime. Anas رضي الله عنه dit: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط أو عرف أو أي نعم وما شممت ريحا قط وما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح أو عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Anas رضي الله عنه il disait: je n'ai jamais touché une étoffe de soie plus douce que la paume du prophète عليه الصلاة والسلام. Et je n'ai jamais senti l'odeur de quiconque, que ce soit l'odeur d'un parfum ou autre, plus bonne que celle du prophète alayhi salatu wassalam. Et Abu Juhayfa, radiallahu anhu, disait: أخذت بيده عليه الصلاة والسلام فوضعتها على وجهه فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. Abu Juhayfa radiallahu anhu, il a pris la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a posé sur son visage, imagine tu prends la main du prophète alayhi salatu wassalam, imagine tu la poses sur ton visage alayhi salatu wassalam.
Il a dit, elle était aussi fraîche que la neige. Elle avait une plus bonne odeur que le musc. Voilà mes frères à quoi le prophète alayhi salatu wassalam ressemblait. Voilà comment les compagnons radiallahu anhum nous l'ont décrit. Faites attention à ces gens qui vous disent « J'ai vu le prophète en rêve. Il avait la barbe blanche. Ou bien il avait je ne sais quoi comme descriptif physique. » Et qu'on ne trouve pas dans les textes faisant relation à cela, ou pire encore, qui sont en contradiction avec ce qui nous a été rapporté. Mes frères, le prophète il a dit, alayhi salatu wassalam, Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa, fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi. Celui qui m'a vu dans les rêves, il m'a certes vu pour de vrai, car le diable ne fera pas mon apparence. Tahi, nous, au jour d'aujourd'hui, on ne peut espérer que voir le prophète, alayhi salatu wassalam, en rêve. Et maintenant que tu sais à quoi il ressemble, si tu vois quelqu'un dans ton rêve qui te dit je suis le messager d'Allah, tu sauras le reconnaître. Sallallahu tabaraka wa ta'ala, an yamunna alayna برؤية مثل هذه قبل الممات. Mes frères, on va conclure tout de suite. Le prophète alayhi salatu wassalam était la personne, et est la personne, et demeure la personne qu'Allah azza wa jal aime le plus dans sa création. Allah azza wa jal nous a montré à travers différents versets du Coran quel respect le prophète sallallahu alayhi wa sallam mérite. Comme le frère Bouzaïd nous a dit tout à l'heure, Allah azza wa jal n'a jamais appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son prénom. Soit il l'appelait Al-Muzdammil, ou bien Al-Muddathir, ou bien Al-Rasoul, ou bien Al-Nabi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la seule personne sur qui Allah Azza wa Jalla a juré. Allah Ta'ala l'a juré sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam. La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahoun. Par ta vie, certes, ils sont aveugles dans leur ivresse. Et si ceci indique une chose, ça nous indique à quel point la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est sacrée. Et à quel point on doit se sacrifier corps et âme pour lui, alayhi salatu wassalam. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, le connaître nous amène à l'aimer. Et l'aimer nous amène à le suivre. Celui qui prétend l'aimer sans le connaître et sans le suivre n'est qu'un menteur. Celui qui prétend le connaître sans l'aimer et sans le suivre n'est qu'un menteur. Ou bien ces gens-là qui lui désobéissent jour et nuit et qui nous disent on aime le prophète alayhi salatu wassalam, mais on n'aime pas sa sunna et on n'aime pas le fait de devoir lui obéir dans tout ce qu'on fait. Akhi, tu n'es qu'un menteur. Shartul mahabbati an tuwafiqa man tuhibbu ala mahabbatihi bila isyani fa idha da'aita lahu al mahabbata ma'a khilafika lahu fa anta dhu buhtan. La condition de l'amour, c'est d'être en accord avec celui que tu aimes selon son amour sans lui désobéir. Si tu prétends l'aimer alors que tu es en désaccord avec lui, tu n'es certes qu'un menteur. Tu n'es certes qu'un menteur. Regardez tout à l'heure, on a dit, le prophète il a dit alayhi salatu wassalam, qui va avec son argent financer cette armée afin qu'on puisse combattre fi sabilillah? Est-ce que les gens ils ont hésité? Est-ce que Uthman il a réfléchi une seconde avant de ramener les 300 chameaux et autre chose qu'il a donné fi sabilillah? Là, Wallahi mes frères, la lourdeur de la main
dans le fait de donner fi sabilillah indique beaucoup de choses. Premièrement, elle indique l'avarice. Et l'avarice, mes frères, n'est pas un caractère des croyants. Deuxièmement, elle indique la faiblesse de la foi dans les textes qui nous font comprendre que celui qui donne fi sabilillah, sa fortune ne diminue pas. Ma naqasa malun min sadaqa. Il n'y a aucune fortune qui a été diminuée par une aumône. Troisièmement, elle montre à quel point la confiance qu'on a envers Allah Ta'ala est faible. Car si tu faisais réellement confiance en Allah Subhanahu wa Ta'ala, tu prêterais à Allah. Regarde comment Allah Ta'ala il a exprimé la chose. Man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'if lahu adha'fan katira. C'est celui qui prête, yahi, tu prêtes un qard bidhah mish biddal. Un prêt, tu te prêtes ton argent à Allah, tu lui donnes pas. Eh ben Allah, il lui rendra en le multipliant. Mais toi, t'as pas confiance en Allah Azza wa Jal. C'est comme si moi, je viens de voir, je fais « Akhi, prête-moi de l'argent. » Tu fais pas confiance, tu me prêtes pas. C'est normal. Mais Allah Azza wa Jal, tu fais pas confiance. Wallah, mouchkil. Et dernièrement, enfin, dernièrement de ce qu'on dit nous, mais encore d'autres choses à dire, celui qui a la main lourde, on craint pour lui le châtiment de ceux qui thésaurisent leur argent et qui ne veulent pas le dépenser fi sabilillah. Combien de causes, combien de projets, d'objectifs tenus par des gens sérieux et de confiance nécessitent un apport et un soutien financier de la part des musulmans et on trouve personne. Et on trouve personne. On trouve rien. Et quand on trouve le moyen de faire quelque chose et qu'on fait quelque chose, eh ben les premiers à venir te créer des problèmes, ce sont ces mêmes personnes qui ont refusé de t'aider lorsque tu leur as demandé de l'aide. Pourquoi vous ouvrez des écoles? Pourquoi vous faites des mosquées? Et pourquoi vous faites ci? Et pourquoi vous faites ça? Et pourquoi vous prenez l'avion pour faire des kilomètres pour aller des gens que vous ne connaissez pas? Ajib, Allah, ajib. Allah, shay, ajib. Des éléments essentiels et fondamentaux qu'on trouve dans le Coran et que n'importe quel enfant qui comprend un minimum l'arabe te dira naturellement, et ben des gens qui croient suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam viennent te dire non, c'est faux. C'est comme ceux qui disent wala yahlifunna in aradana illa al-husna wallahu ya'lamu innahum lakadhibun. Et ils jurent qu'ils ne veulent faire que du bien. On vient me faire la nasiha, les frères. Faut pas ouvrir des écoles. On est dans un pays de kafir. Si vous faites ça, les gens vous ne pouvez plus partir. Ah bah oui, c'est vrai, alors on fait rien. Hassan. Quand tu trouves un feu qui s'allume, va pas l'éteindre. Laisse-le brûler. Laisse-le brûler. Ou bien eux, ils viennent l'éteindre avec de l'essence, pas avec de l'eau. Comme ça, il prend encore plus. Hein? Et quand ils vont dans les mosquées, ces gens-là, te disent Allah al-Musta'an, l'imam il n'y a même pas la barbe. Allah al-Musta'an dans la khutbah il dit n'importe quoi. Et quand tu lui dis qu'il y a un frère à la sunna dans une mosquée pas loin, il fait la khutbah, il dit non, il faut que je vois si réellement il est dans la sunna ou pas. Parce que c'est moi, je choisis. C'est pas toi. Moi je suis dans la sunna, moi je sais que je suis dans la sunna. Mais je sais pas si c'est toi dans la sunna. Alors je reste chez l'imam de ma mosquée qui dit tout et n'importe quoi. Et j'attends dans la khutbah, j'écoute. J'entends, je sais pas ce qu'il fait. Et à la fin, il rentre chez lui. Et il croit qu'il a fait un khayr. Et il croit qu'il a fait un bien. À la kulli hal, ne nous éloignons pas, mes frères. Comme ils disent nos grands savants, ils nous disent bien, vous voulez un livre qui vous expliquera comment le prophète, il était, alayhi salatu wassalam, alaykum bi zad al-ma'ad. Zad al-ma'ad fi hadi khayr al-ibad. Les mu'allifihi شمس الدين ابن أبي بكر ابن القيم رحمة الله عليه المعروف بابن القيم الجوزية. Ce livre-là, mes frères, lisez-le, ouvrez-le, et vous verrez comment le prophète il était à l'aise. Ça m'est comparé. Mes frères, toujours, que vous soyez devant moi ou Ibrahim ou bien Sadek ou bien n'importe quel frère qui vous transmet quelques connaissances, comparez toujours. Ne vous contentez pas d'entendre ou d'écouter, mais mettez-vous à la place de ces gens de qui on vous parle.
ce ne sont pas des histoires inventées avec des personnages fictifs, ce sont des gens qui ont réellement existé et qui ont réellement fait ces choses-là. Quand on vous appelle, on n'a pas mis ça pour faire joli, la maison en cure-dent là. On n'a pas mis, non le frère, mashallah, on n'a pas mis ça pour faire joli les photos derrière. C'est pas pour faire joli, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a des frères, ils vont aider leurs frères. Et ces frères-là, s'ils le pouvaient, avec leur argent, ils auraient fait cela. Lakin, ces projets-là demandent plus d'argent que ce qu'ils possèdent. Et vous êtes tous au courant de ce qui se passe sur Terre. Après, on nous dit, ouais, mais là-bas aussi, il y a des gens qui sont dans le besoin. Là-bas aussi, il y a des gens qui sont dans le besoin. Vas-y. Lui dit ça, il se tourne les pouces devant son ordinateur. Et il croit qu'il a fait un khair. C'est quoi le mieux? Quelqu'un qui fait quelque chose? Ou quelqu'un qui fait rien? Parce que celui qui fait rien, on pourra pas le critiquer dans la chose qu'il a pas faite. Mais celui qui fait, on pourra toujours trouver un problème. Oh, il a fait ci, oh, il aurait pas dû faire ça, oh, il a dit ci, oh, il aurait pas dû dire ça. Et toi, t'as fait quoi? T'as dit quoi, toi? Tu sers à rien. Wujuduka ka adamik. Ta présence, elle est équivalente à ton absence. Il y a aucune différence. Que tu sois là ou pas, tu sers à rien. Et le prophète dit dans le hadith, alayhi salatu wasallam, man istata'a an yanfa'a ish ummatahu falyaf'al. Que celui qui peut être utile envers sa communauté, qu'il le fasse. À part quand tu peux le faire, fais-le, Yari. Si tu peux pas le faire, demande à Allah, il t'aide pour pouvoir être utile à ta communauté. Sinon, à l'aqal, ferme ta bouche. À l'aqal, tais-toi. Au scout. Comme dans la définition du bon comportement, kufful bazlun nada wa kufful adha. Le bien que tu as en toi et que tu peux donner, donne-le. Et le mal que tu as en toi et que tu peux garder, garde-le. Tu sais que tu vas faire du mal aux musulmans en parlant, en agissant? Eh ben ne parle pas, n'agis pas, tais-toi, ne fais rien. Et ne critique pas ceux qui font des choses. Et si tu vois des choses qui ne vont pas, va les voir et donne-leur le bon conseil. C'est comme ça que le musulman doit agir. Hada wallahu a'la wa a'lam. واسمحوا لي على الإطالة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم. Inch'Allah, il y a encore une conférence. Une petite pause d'ici un quart d'heure, Inch'Allah. C'est l'Asr. Après l'Asr.